Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Et c'est parti, nous parlons aujourd'hui de Laurent et Tamir Maier au RCD Mallorca. Laurent débute comme meneur de jeu avant de progressivement reculer sur le terrain jusqu'à évoluer défenseur à Arsenal. Il déclare ensuite « Pour moi au début c'était difficile de jouer arrière droit mais… Dieu savait avant de signer le contrat que j'allais jouer à ce poste aussi longtemps que vous avez du succès, ce qui est la chose la plus importante. Après 16 ans en tant que professionnel, ce qui importe est ce que vous avez réalisé, par la position où vous jouez, seulement ce que vous avez gagné. Sur le côté droit de la défense, Lorraine apporte sa combativité dans les duels, mais aussi sa technique et sa projection vers l'avant dans son couloir droit, travaillé lors de ses années au milieu de terrain. Lors de la saison 2003-2004, il forme un duo efficace avec Frédéric Jumberg, ce dernier rentrant vers l'axe du terrain, tandis que Lorraine effectue un appel dans le couloir. Sa polyvalence est aussi un atout important. Pendant son temps à Ackbury, Lorraine évolue en tant qu'arrière-gauche et à tous les postes du milieu de terrain avec la même assurance et le calme dans toutes les positions. Lorsqu'il évolue à Levante, Lorraine est contacté par Thomas Kono pour jouer avec le Cameroun. La décision n'est pas facile à prendre car le joueur a aussi la possibilité de jouer avec l'Espagne, mais il opte pour le Cameroun car il peut jouer à la Coupe du Monde 98 dans l'immédiat. Il fait partie de l'équipe du Cameroun olympique qui remporte les Jeux 2000 de Sydney. Il inscrit son bien. En final contre l'Espagne de Javi et Carlos Puyol à Arsenal. Il s'impose comme un des meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et gagne sa place en équipe nationale. Lorraine joue un rôle de premier plan dans la victoire de son pays dans la Coupe d'Afrique des Nations 2000 et est récompensé par le trophée de meilleur joueur du tournoi comme son compatriote africain Wanko Kanu. Ses déplacements internationaux créent des tensions entre Arsène Wenger et la Fédération Camerounaise. Lorraine rentre en retard de la CAM 2002 après la nouvelle victoire du Cameroun. Par la suite il aide son équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du Monde 2002 et est un choix automatique pour l'équipe participant au tournoi en dépit des mauvaises relations entre son club et sa fédération. Après l'élimination au premier tour du mondial, il refuse toutes les convocations à l'équipe nationale, critiquant la gestion de l'équipe nationale et notamment une mésentente liée au paiement des primes qui provoque une grève des joueurs avant la compétition. Pour ce qui est de sa nouvelle vie, Lorraine reste discret malgré le fait que, durant la Coupe d'Afrique des Nations 2012, il a travaillé avec ETV4, chaîne de télévision britannique, en 2014. Il part à Séville où il vit avec sa famille et travaille pour Sky Sport Espagne. Nous voici à la fin de cette vidéo. Déjà, Lorraine est à Avant de la clore, nous vous invitons encore à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Afrique Sport, c'est la matinale, le journal du mercato, des informations à temps réel, une revue de presse et plein d'autres surprises. Nous sommes la chaîne du football. Afrique Sport lance son application. Et elle est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel de Salah Amané, de Mahareza Obamey. De la Prime League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube, la matinale d'Afrique Sport, les infos Mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.